Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Non mais, c'est tout comme t'es bien parti là. Pardon. Oh. Calme-toi. Toujours le point levé. La tête. Tout. Sans cesse. Et tata. Dédiqué. Ah. Eh. Eh. Ah. Eh ben. One. Tiens, t'es qui? On est venu pour ça faire ou bien? Les deux. Mais ça, elle peut pas chanter mal en plus. Tiens, qui? Je sais qui. Je sais Dominique. Il y a ton nom sur l'argent. Dominique, oh, bonne arrivée. Il y a sa photo. Je suis la diète des 10 000 ans. En fait. Bonne arrivée, Dominique. Bonne arrivée, ma chérie. Moi, tu me connais? Je te connais bien. Okay. En fait. Ah, en fait. D'accord. Et tu la connais? Ayano. Ah, elle me connaît où? D'appuyer. Bon, on va commencer. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Dominique. Toi, les familles, c'est quoi? Zébri. Ok, Dominique Zébri. On était censé deviner comme on la connaît. Donc, c'est madame Dominique Zébri, Ayan Yao et Roxane Chiro. Pour vous oh, servir. Ça fait, ça fait. Tu ça connais fait. Bim. Par contre, le bim, là, n'était pas très nécessaire. C'est nécessaire, en fait. Ok. Oui. Elle est Jésus l'Ouest. J'ai vu sa bonté, elle ne m'a jamais laissée. Hey, la mère dépassée. En fait, en tout cas, pour ceux qui comptaient sur ça pour payer leur loyer, leur sac de riz, j'ai le malheur de vous annoncer que la grande prêtresse dit vous n'aurez rien. Elle a déchiré. Un peu déchiré. En tout cas, moi, Non, mais vous l'avez déposé mon dossier là-bas. Il a dit, il faut regarder la vidéo. Dernière enveloppe qu'elle a déchirée, c'était moi qui avais envoyé ça. Bien! Faut regarder. Il y avait quoi dedans? C'est marron! Ceci étant, je vais retourner à Miyagi. À Miyagi. Bah, moi-même, je voulais acheter la dernière fois, mais il a envoyé mon dossier, mais vraiment, c'est Ozoa qui a déchiré. Qui est Ozoa? Vous pouvez parler de Mathilde, vous parlez d'Ozoa. Tu connais pas Ozoa? Faut regarder là-bas. Faut regarder là-bas. Oh, d'accord. Ah, ça. Ok. Ah, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est comme ça qu'elle porte les lunettes là. Donc, pour revenir au béret de d'accord. source, c'est que okay. elle en avait marre d'après la grande prêtresse de dire qu'elle aide les gens. Ouais. Et les gens se posent sur Internet pour les insulter avec le passe de son, d'après son acolyte, les pauvres élos qui l'insultent. D'accord. Donc, elle était fatiguée, elle en avait marre, donc elle a dessuré quoi pour vous. Mais est-ce qu'elle était obligée de montrer qu'elle est en train de. Elle pouvait faire ça en cachette? En tout cas, moi, je ne vais pas parler parce qu'ils vont venir. La mère! Il y a ça aussi ou bien? On a envoyé un vélo, faut garder, tu as déchiré, c'est obligé de venir. Non, elle est obligée de venir vous montrer. Ah bon, en même temps, elle dit que comme tout est passé sur les réseaux sociaux, elle a déchiré pour vous montrer, pour dire que vous ne pensez pas qu'elle n'a pas vu. Elle a vu, mais elle n'est pas. Vous demandez l'argent et puis vous lui parlez mal. Toi, tu as vu quelqu'un lui parler mal. Oui. Toi, tu connais... Il y a des moments, il y a écrit aussi enveloppe marron, il dit que c'était moi. Ariane, tu connais pas Flotterie au degré. Toi, tu as vu quelqu'un lui parler mal. Toi, tu vois pas ça sur les réseaux. Il était quand? C'était son jour de nuit. Hier, c'était la séance au jour. Quand elle m'a son nuit, là, elle va créer quelque chose pour venir me distraire la grande. Non, mais maintenant, petite parenthèse. T'as vu Miss Côte d'Ivoire, où tout le monde, là, tout le monde était concentré, elle m'a fait quoi? Direct. Mais elle a fait qu'elle sait un peu qu'on ne parle pas d'elle et tout, là. Petit scénario. Mais on est habitué. Tais-toi, on continue. Oh, d'accord, on va avancer. En tout cas, moi, cette femme, je ne vais pas me la blairer. Petite parenthèse. Vous avez vu qu'elle avait payé une coque de téléphone. Comment il a fait capture? 24-40. Oui, j'ai bien vu ça. C'est l'argent qu'elle demande d'aide de la population. Oui, elle dit à nous donner, peut-être la paix coque. Pourtant, elle s'appelle Jésus. Donc, vous nous montrez qu'on n'est rien, par exemple. Vous ne pouvez rien. On peut rien crier. Il y a un refus de pied pour mon âme pour payer autre chose. Sérieux. Vous ne pouvez rien crier. Non, mais rien ne me fait mal qu'elle s'appelle Jésus, en fait. La mère de Passero. Parce que Jésus supporte tout, en fait. Voilà. D'où Jésus l'Ouest. OK. En tout cas, on va partir, on va comprendre. Bébé sans honte. Bébé sans os. Non, c'est bébé sans honte.
Oui, je vous ramène au truc, bébé sans os. Genre pour ceux qui ne savent pas en fait. Oh, d'accord. Okay. Mais quelque chose, mais tu n'as pas taille, c'est honte à avoir. Vous voyez ça là comment? Non, pour avoir honte à avoir la taille. Tu sais danser, c'est nous. Donc, tu sais danser. C'est nous. Il y a aussi dans quoi? Pour lui, je ne sais pas si c'est 1m45 ou même si c'est 54 aussi. Mais Et puis que c'est qu'une image doucement. Vous, je pense savoir qu'il est. Je pense savoir qu'il est. Est-ce que tu vois là-bas? Est-ce que tu vois là-bas? La mère partagée, oh. Il se prosternait. Moi, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas ce qu'il vit, mais puisse Dieu nous aider à ne pas atteindre ce niveau-là. Franchement. Mais il se prosternait comment? Mais c'est pour nous montrer que Jean, il n'est pas grand, bien. La partie n'est pas compris. Non, hein? Il est venu. Tu as quoi, taille, mais toi, tu n'es pas grand, mais. Ah, on dirait que c'était un peu. Mais c'était notre agent de. C'était l'autre côté, ça, là, ils ont donné. Ariane, c'était avant ça. Mais est-ce que là, okay. C'est obligé de snapper ça là pour mettre sur les réseaux? Emma vous montre tout. Elle a un besoin pressant. En fait, c'est vous n'avez pas vu Jacques. Non, de mes terres. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voulait aussi. Vous n'avez pas me laissé parler? Non, pas. Et André, il dit qu'elle a un besoin vital de tout vous montrer parce qu'elle est en quête perpétuelle de prouver. En fait, notre dame de la Provence. Ils en ont prouvé. C'est elle. Ah, d'accord. Mais bébé, son os aussi. Après, il a fait un post pour dire que oui, il appelle Carmen, elle ne décroche pas. Oui, moi, j'ai vu ce post-là. C'est pas pour lui demander l'argent. Mais elle, c'est qu'on est en train de voir là. Ça sent mieux pour prévenir que guérir. Elle a vu la vidéo. Ah. Bon, qui mettrait ce béret là? Bon, en tout cas, la mère là, elle a onction de mariage. Onction de fiançage. Pas onction de mariage parce que ça n'arrive pas de devant. Tu viens de me faire quoi là? Onction de quoi? Fiançage. Y a parti. Y a loupé. Y a parti. Fiançaille. Y a loupé. Faut t'asseoir. On dit fiançage. Pour elle, là, c'est fiançage. T'as quel problème? Mais moi, ce qui me plaît dans ta vie, c'est parti. Attendez, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'elle, là, elle n'a pas peur de ce. Elle n'a pas peur de partir là. Elle n'a pas peur de partir. C'est-à-dire qu'elle nous montre que là, c'est rien même. C'est-à-dire que je peux prendre lui là aujourd'hui, lui il est parti. Demain encore là, je reprends la chose. Elle change de gars. C'est ça, il y a eu la dernière fois. Quand c'est prendre, on va se laisser, c'est ça, on t'a dit faire comme ça. Si toute Emma pouvait se comporter comme ça avant, vous avez vu beaucoup de maris. Vous avez vu comment elle prend et puis elle laisse. Au moins, elle prend et puis elle montre. Mais quand elle monte après, elle laisse. Pourquoi? Elle n'a qu'à prendre pour l'éternité. Elle prend, elle laisse. C'est-à-dire que. Bon. Elle prend. Moi, elle me ressort. Elle prend, elle reste. Parce que. Mais elle fait que c'est sur les points, reste là. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop suivi le béret de manière que tu as notre dame de l'engagement. L'engagement. Après le Peter Peter, agent 007, j'ai envie de dire. Voilà. Après l'agent 007, elle encore. Il paraît qu'un Gabonais, oui, je suis très renseignée. Franchement, la mère du béret. Moi-même. Un Gabonais lui aurait donné une nouvelle bague. Et vous la connaissez, la mère de la. Et on dirait une voiture aussi. La voiture là, il y a longtemps, Ariane. C'est quelle voiture? C'est quelle voiture? Elle est une nouvelle voiture. Hein? C'est quelle voiture? Tu peux me laisser finir d'expliquer ça à mes gens? Mais il faut bien expliquer. Puis elle est une nouvelle voiture. On n'a pas vu voiture, nous on a vu bague. Mais tu n'as pas vu. Et puis bague, c'est combien d'abord? D'accord. Ok. C'est ça. Et ça va comment? Dominique. Pourquoi pas te payer bague là? Moi, elle était là-bas. Mais souvent, là, quand elle met bague, elle met le prix. Tout le monde sait. Moi, elle était là-bas. Bague, ça, elle n'a pas vu le prix. Attends, Bère, là, tu n'es pas allé chercher le fond. Tu n'as pas cherché le prix. Elle est en France, c'est ça. Parce que la vieille, elle a souvent, elle a le loup prix. Non, elle, on la connaît. Elle la connaît, mais. Maman, là, elle a un chapeau. Didi. Pourquoi vous faites Jean, vous n'avez pas... Vous savez lui, hein? Tonton Didi. Didi. Tonton Didi, Béa, le frère de tonton son honte. Ils ont même taille, là. On a dit... On dit Didi, mais on raconte des Didi. Bon, ils ont mis... Comment qu'elle a dit, je n'ai pas compris. C'est qu'un problème. Elle est distraite. Elle a un problème avec les gens de petite taille. Sérieux? Cette histoire de Didi B, Carmen, Arafat et son groupe là, ça date pas d'il y a 2 ans pendant qu'il vivait encore. Ouais. Donc pourquoi ça est revenu sur le tapis? Non mais attends, c'est l'animateur qui lui a posé une question. L'animateur l'a posé une question là quand? C'est pas un vieux sujet. C'est un vieux sujet, mais donc, si l'animateur lui a posé la question, il va répondre. Donc il faut aller réveiller la vidéo. Voilà. Donc vous avez posé une question, il répond. C'est pas un truc. Oh, tu n'as pas dit tout, tu n'as pas bien expliqué. C'est ce que moi j'aime. C'est que c'est talala, c'est doux. Ah, je pas bien. Talala, c'est chic. On dit c'est chic que tous les sons arabes. C'est ça, c'est talala. Hein? Pardon. Faut t'asseoir. On a pas rêvé le gars là. Il a fait quoi? Il n'a pas compris.
Il n'a pas compris, tu as dit quoi? Il a dit que... Oui, il répétait juste ce qu'il entendait sur Facebook. Quelque chose. Pardon. Respectez notre légende. C'est quoi qui est doux que quoi? Vous n'avez pas... Vous n'avez ce qu'il a dit, c'est que... On n'a pas bien, pas bien donné ce béret là. Sérieux? On vous paye là, ça va pour venir vous asseoir ici pour raconter n'importe quoi. Donc, il s'agirait de Didi B. Qui est parti... Vous parlez mal lourdement comme ça. Qui est parti s'asseoir dans l'émission Fafa d'Anaconda, qui se passe sur quelle chaîne, je ne sais pas. Et c'était un temps encore où le Daichi vivait. Et le Daichi, vous le connaissez, grand lanceur de pique, grand énerveur. Ouais. Il a lancé une pique à Elon, que Elon venait encore de marier sa femme. Mm-hmm. Enfin, fraîchement de marier sa femme. Comme quoi, moi, vous connaissez. Est-ce que je peux dire ça à la télé ici? Non, faut pas dire. Faut, en tout cas, moi, il y a ta femme. OK. Donc, les petits, toi-même, tu connais qu'une fois qu'elle a fait des femmes, rien dedans. Ah, mais c'est ça, il n'y a pas fait des vieux, il a fait des femmes. À la fin, lui, il l'a dit. C'est deux choses qui séparent l'homme. Ah, ça, c'est la vérité. L'argent et puis femme. Et puis la femme. Donc, il a dit ça à Debordeaux et puis on a vu ça. Moi, je suis une grande fan d'Arafat. D'accord, OK. Mais ce qu'il a fait là. Vous êtes d'accord que c'est passé, donc? Oui, oui, je suis d'accord. Mais le sujet, c'est. Elle ne faut pas me laisser parler. Il y a quoi? En fait, tu peux parler. En fait. Toi, tu n'as plus venu ici. Il a loupé. Donc, qui l'a appelé? Faut donner maintenant. Il n'y a pas même. Pardon. Dans le béret. Pardon. Donc, vous-même, vous savez que... en tout cas, cette histoire de Didi B, puis, moi, j'ai dit que Didi B n'a pas... On sentait de l'agitation quand il parlait, c'est vrai. Mais comprenez, là, ce sont des garçons et les sujets qui sont très sensibles. Très. Et vous-même, vous connaissez notre chose, Arafat. Franchement. Il était fort dans chauffer cœur. Donc, n'en voulez pas, à un coup, s'il a répondu. Ouais. Par un coup, j'entends Tala. On dit quoi? Voilà le sujet du moment. Salut. Il m'a plus Nido. Mais Nido a quoi à voir avec Katelyn? On sait jamais. On dit que Sinaloa et puis Medellin se rencontrent à Abidjan. Mm-hmm. On s'est dit que, tu sais qu'elle dit que Abidjan c'est matin, Côte d'Ivoire c'est le soir. Mm. Paris c'est Abidjan. Les mains de Pilate, je l'ai. Elle a toujours des accroches, on ne comprend pas. C'est Paris c'est Abidjan comment? Ah, Paris c'est Abidjan. Il a dit, c'est toi qui la regrette. Donc, on était assis chez nous, un bon dimanche, il y a chaud, quelqu'un qui a parlé de ça. On cherche qui donne ça aux gens. Ah, ça a fait de l'air croissant, les doux, hein, suivez mon regard. Moi, il y a des avions. Donc, voilà, cette histoire-là, c'est passé le dimanche dernier. D'accord. En tout cas. C'est pas moi qui ai parlé, c'est pas moi, professeur. Non, mais Katel, ça va être toi, ton accoutrement. Tu me dis que ta tête même ressemble à Katel. Donc, parle-moi, c'est pas si tu lapes Nido souvent, mais si tu l'as pas. Donc, faut nous dire, au fait. Je suis allergique au lactose. Ah, bébé. Ah, OK. Voilà. Donc, ils ont arrêté des personnalités de ce pays. Même si Adou Richer n'a pas dit de ne pas dire les noms, moi, je ne peux pas dire les noms. Même si on ne t'avait pas dit de dire, ça, tu peux dire. Peux pas. Là, tu ne peux pas dire oh, oh. En tout cas, il sait juste que si eux, ils me disent, viens à moi. C'est ça, on ne peut pas dire oh, oh. En tout cas, dans cette histoire, il y a des têtes de l'économie. Tu ne vas pas laisser faire ça, là. J'étais en train de dire à la tête de l'économie ivoirienne qu'on était attrapé. Okay. Quand. Ça me gratte. Pardon. Ça me gratte comme pardon. Ça. Pardon. Quel est son nom là même là? Il y a un rappeur ça même. Kelly. Ah, bon d'accord. Asseyez-vous là. La petite fille là, Shakira des States. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. La petite a fait son TikTok. Kelly. À cause de... Tout ça là, il y a Sab. Comme ça. Faut t'asseoir. C'est ça son problème aussi. C'est quoi tout ça là même? Le pire, c'est ce que Kelly fait là. Est-ce que Dominique peut faire ça? Ressemble pas, donc faut t'asseoir. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? On a dansé à Arsenal Election. Non, pardonnez. Bon, ça là, c'est quoi? Mais ça, c'est pas Arsenal est dansé. Attends, elle a 17 ans en plus. Et puis, aïe. Attends. Oui. Faut te lever en voix, c'est que tu as 7 ans. Oui, je ne peux pas faire ça, c'est pour ça que j'encourage Kelly. C'est pas de ton âge. Donc, quand ton mari va regarder Kelly là. Il a dit que c'est pas de son âge de faire comme Kelly. Mon mari n'a pas de transport pour partir au stade, donc ça ne peut rien me faire. Ton mari n'a pas de transport. Oh, il n'a pas. Tu n'as pas de transport pour arriver là-bas. On dit que tu n'as pas de transport. Donc, tu as dit que tu t'occupes de ton mari. Je n'aime pas ça. Il a dit. C'est pas de ton âge. C'est pas de ton âge. Il a quelqu'un qui n'a pas de transport. C'est pas de ton âge. Quelqu'un qui est au stade. C'est pas de ton âge. Attendez. On dit qu'elle est là. À cause d'elle, les jeunes sont en train de te regarder. Parlons plus. Quand tu te lèves matin, on dit qu'elle est là. Attendez. Nous, même nos fesses, même, on ne regarde plus. Il a dit. Moi, il y a pour moi. Kelly, là. Elle est au stade. On a bien. Ici même, on lutte. Et puis, elle est venue me fâcher parce que mon mari, elle a une vidéo de Kelly
On la transforme. Pardon, changez de sujet.